Je vous amène plusieurs jours avec moi pour finir la décoration de l'appartement et faire le balcon surtout. Je suis tellement contente de tout aménager et surtout de vous filmer ça sur le vlog. Peut-être un petit peu vous expliquer le programme de ces prochains jours et de la semaine prochaine également. Parce que oui, la semaine prochaine, je sortirai comme d'habitude un nouveau vlog, mais ce sera dédié aussi à la décoration, du moins à la fin de la déco de cet appart. Derrière, j'aimerais bien quand même habiller le mur. Donc je vais essayer de mettre des cadres et un style de toile que j'ai trop envie de tenter. Vous savez, c'est les toiles structurées. C'est ce style de toile là, donc prenez une toile toute blanche et ensuite vous mettez de l'enduit et vous faites un petit peu la décoration que vous voulez. Moi j'ai tellement envie d'essayer, ça fait super longtemps que je le vois sur les réseaux sociaux, donc pour ça je vais me rendre à Action. Apparemment il y a les toiles qui sont pas trop chères et j'ai essayé un petit peu de voir au niveau des dimensions ce qui pourrait rendre le mieux. Ce serait peut-être plus joli d'avoir les affiches de la même taille, donc je vais essayer. Peut-être c'est vrai que ça rendrait un peu mieux. 60, du coup ça a grandi jusqu'ici. Effectivement, je viens de voir, c'est peut-être mieux que ce soit de la même taille. Ensuite, pour continuer dans la chambre, juste ici, j'avais une étagère à sneakers, du coup, que j'ai virée, tout simplement parce que je trouvais que ça faisait trop big dans la chambre et j'aimais pas du tout. Donc à la place j'ai rajouté cette petite plante que j'ai acheté hier à Truffaut avec le petit cache-pot aussi qui vient de chez Truffaut. Honnêtement le cache-pot c'était pas donné, c'était 50 €, je trouve ça méga cher, mais je me dis que la plante je vais la garder des années, donc au final c'est vite rentable. Mais vraiment je la trouve trop jolie cette plante dans la chambre, ça rend trop bien. Et dernière chose aussi, il faut absolument que je me commande une chaise de bureau, je sais déjà quel modèle je veux prendre. J'ai mis l'adresse pour partir à Action, du coup je vais direct à Action et je vais voir bien sûr si je trouve des petites décorations sympas. Je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai acheté. En premier j'ai pris ces deux grosses toiles du coup dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je voulais mettre sur le mur de la chambre au dessus du lit. Elles font bien 60 par 80, par contre j'ai dû faire deux actions pour pouvoir les trouver parce qu'elles étaient out of stock dans cette taille là. Chez Action en même temps que les toiles j'ai pris ces petits gants pour protéger les mains et ensuite une petite protection en plastique pour mettre sur le sol. J'ai pris cette petite pelle comme ça pour étaler le produit directement sur les planches. Pour faire les motifs sur la toile j'ai regardé plein de TikTok, d'articles sur internet, et il faut utiliser de l'enduit. Par contre je suis un peu dégoûtée parce que ça n'existe pas en petit pot, le minimum c'est 15 kg, donc après bon c'est pas grave parce que je pense que pour plus tard j'en aurai besoin parce que ça se conserve hyper longtemps. Mais bon sur le coup je m'attendais pas à acheter 15 kg d'enduit, du coup j'ai pris celui-ci. Après vous pouvez rajouter bien évidemment de la peinture dedans. Ensuite chez Leroy Merlin du coup j'ai pris ce petit pinceau à colle et c'est tout simplement pour faire les petits motifs sur les toiles. Après si jamais vous allez voir qu'il y a plusieurs types de dents, moi j'ai préféré prendre des dents assez larges. Pour accrocher les toiles j'ai pris ces petites languettes, c'est exactement les mêmes que j'ai sur tous les cadres du salon et ça tient très bien, donc j'ai voulu prendre pareil pour les toiles. Et pour finir j'ai pris quelque chose qui n'était absolument pas prévu, j'ai voulu acheter une petite lampe, elle est vraiment trop jolie, j'ai trop hâte de la monter. Bon comme d'habitude vous me connaissez, je suis sur un style vraiment très simple, mais vous verrez une fois montée, je l'ai vu en magasin, elle était juste sublime. Elle a pas coûté cher, elle a coûté 20 €, je trouve que pour une lampe franchement ça va. Et comme ampoule j'ai pris une grosse ampoule comme ça parce que de base ça n'était une à peu près pareille, une similaire, mais elle était plus en stock. Mais bon, celle-ci, je la trouve très jolie. Bon, j'ai réfléchi et la première chose que j'ai envie de faire, c'est attaquer l'étoile. Je sais pas si j'aurai le temps de faire les deux avant que le soleil se couche, mais vu que ça prend 24 à 48 heures à sécher, je préfère le faire maintenant, comme ça je suis sûre d'avoir le temps de monter le résultat. J'ai essayé de bokeh un petit peu avec les petits pots. Et mais du coup voilà pour le premier. Donc c'est juste avec la spatule, vous faites des petits traits. Je trouve que ça rend trop bien. Et le deuxième c'est le seul où j'ai réussi un petit peu à faire un rond. Et encore on voit que c'est pas parfait. Je suis trop contente. Bon s'il vous plaît faites pas attention à l'état de l'appartement. Clairement je vous montre même pas le derrière de la caméra. C'est pas très joli à voir. Si jamais vous aimez bien ce petit modèle de lampe, elle existe aussi en doré. Et j'ai vraiment hésité à la prendre en doré. Honnêtement je trouve que pour 20 €, le plateau il est de superbe qualité. I like it. Ouh là là. Je vais quand même voir comment ça rend allumé. Parce que vraiment cette ampoule par contre elle est trop jolie.
Regardez moi cette petite ampoule. Elle est pas trop jolie? Genre vraiment, j'adore. Attendez, je vous rapproche. J'aime bien le fait que l'ampoule elle soit un petit peu plus grosse. Comme ça je trouve que ça donne vraiment un petit charme en plus. Oh, c'est cute. C'est pas juste trop beau? Avec la petite plante et tout sur le côté. Après je vais vous montrer aussi pour que vous puissiez vous imaginer un petit peu à quoi ça rend la semaine prochaine. Par contre le miroir je le mettrai pas ici, je le mettrai vraiment entre les deux murs. Ensuite ici du coup vers la petite lampe. Et là j'aimerais bien acheter un petit tabouret pour y mettre de la petite décoration cocooning. Mais au final je trouve que rien que la lampe ça change vraiment toute la décoration. C'est trop 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 joli, je suis trop fan. On est le lendemain et aujourd'hui on va passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire l'extérieur. C'est vraiment la partie que j'attendais le plus parce que là il commence vraiment à faire beau. Et du coup j'en ai profité pour remettre le même jean qu'hier vu que je l'ai taché. Je me dis si aujourd'hui je le tache avec la terre ou quoi que ce soit, comme ça il ira directement à la machine et je ne tacherai pas un autre. Cet après-midi je vais installer des petits brise-vue que j'ai trouvé chez Centracor. Ensuite j'ai acheté une jardinière avec de quoi planter quelques petits trucs bien sympas. J'ai également acheté deux fauteuils hyper confortables et je suis trop 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 contente parce que je voulais vraiment attendre de trouver les fauteuils parfaits pour le balcon. Et la seule chose par contre qui me manque pour dehors c'est une petite table basse parce que de base on voulait acheter vous savez une table normale pour l'extérieur, mais je me suis dit qu'il valait mieux qu'on achète juste des petits fauteuils avec une table basse pour prendre l'apéro. Si jamais on avait vraiment envie de manger dehors, on prendra la table de l'intérieur qu'on mettra dehors et ensuite à l'intérieur il me restera à accrocher les cadres murs. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tarde aussi, voir comment ça rend. Je bouge plus, je suis bien là. Je viens de finir le balcon, il manque juste du coup la petite table basse. En vrai je pensais que ça allait pas mal occuper l'espace, les petites chaises, et au final il reste quand même pas mal de terrasses. Mais en vrai c'est pas grave, je trouve que c'est plus joli quand c'est pas trop trop chargé. Bon par contre il fait 25 degrés et je suis littéralement en pull dehors parce que nous à l'intérieur il fait vraiment trop beau, mais alors dehors il fait si chaud. Du coup déjà tout autour du balcon on a mis ce petit brise-vue du coup que j'ai acheté à Centracor. Mais honnêtement je trouve que la qualité elle est pas non plus incroyable. Bon je pense pas que je le recommande, mais bon au final ça nous cache quand même un petit peu. Je vous ai jamais montré mais du coup le balcon il est comme ça. On a quand même assez beaucoup d'espace. Ici, du coup, devant la petite planche en bois qui était déjà là, j'ai mis les deux petites chaises qui sont fournies chez Casa avec le coussin. Je trouve que vraiment c'est trop joli. Il manque juste la petite table basse ici et après on sera bon. Et ensuite, juste ici à côté, j'ai mis la jardinière qui vient de chez Truffaut. Vous pouvez la personnaliser directement avec les planches que vous voulez, la forme que vous voulez. Et donc ici j'ai mis 4 pieds de fraises et ensuite tout le reste c'est des tomates cerises. J'ai trop 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 hâte que ça pousse, mais ce qui est bien c'est que j'ai pris des fraisiers avec déjà des petites fleurs, donc voilà, j'espère que ça va pas être trop 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 long. J'ai complètement oublié de vous montrer les toiles une fois sec. Là c'en est une, donc ça sera la première. Et la deuxième c'est exactement la même. La seule chose qui change c'est que en haut j'ai fait un petit arrondi comme ça. Mais vous voyez que là c'est pas parfait. Mais bon, je trouve que comme ça c'est très joli quand même. En longueur on est bien à 80 et en largeur nous sommes bien à 60. Je suis trop fan du résultat.
Regardez comment c'est trop beau. En vrai, rien que ça, ça habille énormément la chambre. Et c'est ce que je voulais parce que je trouvais que les plantes de mur ici surtout étaient super vides. J'ai juste une peur, c'est que ça nous tombe dessus pendant la nuit. Mais en vrai, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Parce que j'ai pris les petites languettes de 7 kg. Et je sais que la toile fait moins, je crois, de 3 kg. Alors que les cadres que j'avais déjà affiché, j'avais pris les petites languettes de 5. Mais voilà, en tout cas, pour la première partie de cette décoration de l'appartement. J'ai trop trop hâte la semaine prochaine, du coup, je vais recevoir la chaise de bureau et le miroir. Rien que ça, ça va faire une grande différence. Et bien évidemment, je vous vloguerai tout ça. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo, j'espère vraiment que le petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est le type de vidéo que vous avez aimé. Et bien sûr à vous abonner si ce n'est toujours pas fait parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et ne pas être abonné. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une belle fin de semaine et à la semaine prochaine. Allez, Delphi.